Le
Allez, c'est bien, Pigalle. Allez, Evan, allez, Dorian, tu restes là. Allez, Kevin, tu restes là. On est à 4 tours maintenant de l'arrivée. 4 tours de l'arrivée, la piste de la chaîne de l'IDF. Et c'est passé ici au niveau du podium. Je rappelle, 4 tours de l'arrivée, ça concerne Total et Paris de Séminal. Il y a un petit groupe qui est en train de se détacher. Super, Antonin. Allez, Jules, laisse pas partir. Laisse pas partir, Léo. De ce matin avec un temps de 7 secondes 66 très exactement pour Tristan Hudelette de Charles numéro 19. Jonathan a démontré sur les positions en tête, toujours le team. On avait retrouvé Antonin Gavrilovic pour le team Côte-Bretagne-Creuse de la personnalité tête. Le dessert numéro 31, on avait retrouvé. Ça se fait pas de cadeau. C'est super. Allez Antonin. Attention, on va doubler. Attention, on va doubler. Accroche-toi, Jean, accroche-toi, ça va être le dernier tour.
Et la voiture qui arrive maintenant, qu'en est-il? J'ai l'impression que l'homme de mon contour va pouvoir lever les bras aujourd'hui. On va l'acclamer comme il se doit. Celui qui porte les couleurs du CC Mon Contour, qui prend une aisance au niveau de l'arrivée. Loïs Jouvreau, qui a su résister à l'assaut de ses concurrents. Loïs Jouvreau pour la victoire. Le CC Mon Contour qui se réjouit, bien sûr, que ce soit au niveau de cette organisation, mais aussi pour la victoire chez les Benjamins. Donc, Loïs Jouvreau vient de l'emporter et vous avez vu l'avance donc pour les deuxième et troisième places. Ça va être serré avec le team Côte de Granit Rose, me semble-t-il, qui fait l'effort maintenant. Antonin Gavrilovic, c'est parti de loin avec le CC Uzé qui sera battu. Tristan Houdelette fera troisième. C'est la deuxième place assuré d'Antonin Gavrilovic. Bravo, et on peut souligner là aussi la présence des féminines, puisque j'avais cru apercevoir Emmeline Martin, là aussi, qui était 14e ce matin au niveau du scratch du chronomètre, et première chez les filles. On attendra bien sûr le classement général.